Bonjour, c'est Julien, votre conseiller immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment. Comment est-ce qu'on peut diminuer au maximum les délais de vente d'un bien immobilier? Il y a quelques jours, une personne m'appelle de la part d'un ami en me disant « Julien, j'ai un problème. Je me suis mis d'accord avec un acheteur potentiel et en appelant le notaire, celui-ci me dit qu'il faut à peu près 3 semaines avant de pouvoir prendre rendez-vous pour la signature du compromis. » Et oui, effectivement, on peut avoir un délai qui se rallonge si l'on signe le compromis chez un notaire. Et pour la simple et bonne raison que le notaire a un volume d'affaires important. Et en réalité, c'est pas forcément sa priorité de s'occuper de votre dossier en premier. Il est vrai qu'il est important de signer le plus rapidement possible lorsqu'on a des acheteurs potentiels. Pour la simple et bonne raison que si le délai est trop long entre l'offre d'achat et le compromis, ils peuvent toujours regarder d'autres annonces qui vont se mettre en ligne et être tentés de trouver une meilleure affaire. Au contraire, si le compromis est signé rapidement, ils auront plus tendance à se projeter dans leur futur logement et déjà s'imaginer la décoration ou la couleur des peintures qu'ils vont mettre dans le salon. Lorsque vous travaillez avec une agence immobilière, la plupart des agences immobilières en tout cas sont en mesure de rédiger eux-mêmes le compromis de vente. Ce qui fait que l'on peut très bien, comme j'ai déjà pu le réaliser chez Propriété Privée, signer un compromis de vente en seulement 48 heures. Donc là, on voit bien qu'entre 48 heures pour signer un compromis de vente et 3 semaines, il y a un véritable monde et le fait de minimiser au maximum permet à chacun de réaliser son projet dans les meilleures conditions. Donc, pensez-y. Si vous voulez améliorer les délais de vente pour vendre un bien immobilier, passer par une agence immobilière qui est en capacité de signer les compromis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à partager, mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner et être averti des prochains contenus. Je vous dis à très bientôt.